Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Peaceport Gaming. Surtout n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de laisser un pouce bleu. Ces mots, une grande joie tout simplement de vous retrouver après tout ce temps. Enfin on a quelque chose de correct à se mettre sous la dent. eFootball, la V1. Après des longs mois de tergiversation, on va appeler ça comme ça, 2 ans et plus de développement, Konami nous sort enfin sa mouture finie, prête à l'emploi, prête à jouer, on va dire ça comme ça. On va pas s'attarder sur la bêta pour vous dire tout le mal que j'en pense. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner mon premier avis, mon premier ressenti tout simplement sur ce eFootball. On parlera en fin de vidéo du passé, du présent, de l'avenir de cette chaîne, etc. Mais tout d'abord, on parlera bien sûr de mon avis au ressenti sur eFootball. Est-ce que c'est le retour du roi? Est-ce que voilà, le retour royal? Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est plutôt le retour du prince? Est-ce qu'il y a des rugissements? Est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà, je vous donnerai mon avis là tout de suite. Et puis en fin de vidéo, du coup, on parlera de l'avenir de cette chaîne. Juste pour vous préciser, j'y ai joué sur PC. Donc là, la capture qui est, c'est une capture sur PC où j'ai fait un compte avec 0 bonus vétéran, rien du tout. Et j'ai bien sûr encore mon compte sur Xbox. J'ai testé sur Xbox One et Xbox Series, bien sûr sur Xbox One j'ai pas testé longtemps. Plutôt sur Series afin de me faire un avis un peu plus complet. Et là où j'ai une team avec des légendes, etc. etc. Voilà, j'aurai 2 comptes. On va les jouer de manière un peu en parallèle, ce qui pourra peut-être vous aider pour ceux qui commencent, qui n'étaient pas là sur PES et sur la bêta. Et du coup qui pourront suivre ce que je fais sur PC, parce que là c'est un compte comme quelqu'un par exemple qui vient de FIFA et qui a absolument pas joué au jeu les dernières années. Ce jeu maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien on va commencer d'abord par ce que je n'aime pas. C'est premièrement l'aspect très mobile des menus. Tout ça absolument dégueulasse, ça se voit. Ces menus sont faits avec des gros boutons. Des gros boutons partout qui sont clairement faits pour mobile. Ça me semble assez évident, ça j'aime pas du tout. Le rendu graphique général lors des matchs, je trouve ça très très moche de loin. Par contre, en point positif, ça en viendra après, très très beau de près. Mais de loin, l'impression générale est assez moche. Public, etc., ça reste assez catastrophique. Et cette impression un peu de pelouse et tout, ça fait un peu bizarre. Par contre, de près, les modélisations, etc., c'est absolument incroyable au niveau des joueurs. Les émotions sur leur visage, les crampons, etc. Vraiment de toute beauté. Ce qui me déplaît assez, c'est encore un peu les rebonds, les collisions un peu bizarres. Des nombreuses pertes de balles incontrôlables, j'ai l'impression, où tu ne prends pas vraiment compte de pourquoi les joueurs se rentrent un peu dedans. Donc ça, ce sera de toute façon le jeu, là on est sur une première mouture, un premier jeu complet, mais il y aura bien sûr des updates dans les semaines à venir. Mais ça me semble encore assez bizarre. Une défense un peu trop aléatoire à mon goût, mais ça c'est peut-être une question de maîtrise. Cependant, j'ai l'impression que l'aspect aléatoire est quand même assez fort, avec notamment une logique tant fort, tant faible, assez prononcé dans Dream Team, ce que j'ai pas forcément vu en mode authentique, mais dans le mode Dream Team, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une logique tant forte, tant faible, et ce qui rend parfois les choses un peu aléatoires, j'ai l'impression. Mais ça restera à se confirmer après les matchs, hein. Pour l'instant j'en ai fait 15 peut-être. Voilà. Et puis un peu la disparition de l'action manuelle, ça me dérange un peu. Mais donc ça, ce sont les points qui me confortent pas, je veux dire que le retour du roi il est là. Par contre, il va y avoir des points positifs qui arrivent pour dire qu'il y a un petit lionceau qui est là et qui nous donne peut-être espoir avec des updates à venir qui pourront nous rendre un jeu absolument très très, très bon. Voilà. Pour moi, on n'est pas encore au niveau de, par exemple, de PES 2019, mais on n'en est pas très loin. Et puis, bien sûr, on n'est pas encore au niveau du roi des PES 3, 4, 5 et puis 6 après, même si pour moi 3, 4 ça reste encore au-dessus. Bref, je suis allé un peu trop loin. Maintenant, c'est sur ce que j'aime, c'est un peu cette fin des rails, une impression de liberté. Ouais, j'aime ça, c'est vraiment le truc qui fait que j'y joue à ce jeu avec plaisir pour l'instant. C'est une impression de liberté dans la construction de mes actions, et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, il n'y a plus les rails, donc tu n'es pas obligé de tout le temps super cancel. D'ailleurs, le super cancel, il est un peu cassé quand même. Mais ça, j'aime. Le toucher de balle, il est assez précis. J'aime bien, moi, l'accélération aussi dosée. La fonctionnalité de force, notamment dans la passe, dans les tirs, bien sûr, mais dans la passe. C'est-à-dire les passes en force avec R2. Ça, c'est vraiment top. Le R1 passe, c'est-à-dire le petit 1-2, mais où tu viens en appui, ça donne beaucoup de liberté dans la construction. L'accélération, les changements de rythme, etc. Vraiment, ça, c'est ce qui me plaît. En fait, quand j'ai la balle, je retrouve vraiment un plaisir
à construire mes actions, à me dire tiens, je vais repartir comme ça, je peux repasser en arrière, je repasse en avant, tu fais les passes 1-2 en appui, une passe appuyée pour changer le rythme, etc. Ça, j'aime vraiment beaucoup, 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 une vraie sensation de football là-dessus. Voilà, comme dit, quand il y a des batailles autour du ballon, c'est-à-dire voilà, rebond, collision, etc. Je trouve c'est un peu chelou, c'est encore, on n'est pas encore là complètement, mais à balle au pied, vraiment cette impression de construction du jeu, etc. Ça va se développer. Je pense en 1v1, ça va être vraiment cool de voir ça et de doser les saisons quand elles arrivent. D'ailleurs, ça commence demain. Pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, le 20 avril, donc le 21, il y aura le début des saisons, donc il va falloir voir comment ça se passe. Ce que j'aime pas aussi également de manière générale, ça je dois vous le dire, c'est les 120 secondes de pause de préparation avant de lancer le match, plus encore 90 en match. Ça, ils ont toujours pas changé, ils ont toujours pas compris que aujourd'hui il faut que ça aille vite. Alors ouais, c'est cool d'avoir un peu le temps, mais 120 secondes, c'est abusé, et on le sait tous, quand ça va aller jouer sur des gros matchs clutch, en saison, online, etc., il y aura toujours des mecs qui vont exprès te faire tourner toutes les secondes juste pour te faire perdre du temps. Donc voilà. Moi, je suis un papa, j'ai 2 enfants, j'ai pas 15 millions d'heures pour jouer. Donc ça, par exemple, c'est un point qui me saoule. Mais on est encore sur de la signature Konami, hein, dans pas mal de choses, également encore dans le jeu. Maintenant, donc ça, c'est un peu sur l'aspect général. Bien sûr, on est à quelques jours seulement de la sortie. Il va falloir encore des dizaines et des dizaines, des dizaines, des centaines de matchs pour se faire un avis définitif. Mais contrairement à la bêta, on va appeler ça comme ça, où j'avais pris 3 matchs et je l'ai mis tout de suite de côté parce que j'ai tout de suite compris à quel point c'était éclaté, autant là, vraiment, il y a un aspect réellement prometteur dans la prise en main, tout simplement, du jeu. Voilà, maintenant on part un peu sur Dream Team. Mon ressenti, tout simplement, sur ce mode de jeu, il est assez bon, assez intéressant. Alors, ce n'est plus My Club, c'est clair. Et la première grosse diff qu'il y a avec My Club, qui était mon club, mais on ne pouvait pas choisir les joueurs. Là, c'est Dream Team, c'est pas mon club, mais on peut choisir les joueurs. C'est ça, c'est vraiment le premier intérêt de ce mode, tout simplement. C'est que si vous pouvez recruter en GP tous les joueurs de votre choix, enfin tous les joueurs qui sont sous licence, donc ça, forcément, c'est top. Ça vous permet de vous construire vos équipes à terme comme vous les voulez. Ces joueurs, forcément, montent en niveau, donc ça fait plaisir. Ici, sur PC, j'ai une toute petite équipe avec vraiment que des joueurs cherry pick, vraiment des joueurs que j'aime beaucoup, comme Tomori et Maignan du Milan, que je suis très près. Pedro Porro, qui est MLD, mais qui joue très bien en DD. Ça, c'est aussi un autre petit conseil vis-à-vis de mon coach, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Vraiment des gars, tu peux prendre des gars que t'aimes. Zaniolo, bien sûr, vous connaissez ces joueurs signature chez Fatalbox. Voilà, enfin, en tout cas, ça fait plaisir d'être comme ça. Les boosts, eh bien, eux, ils ne montreront pas en niveau, donc ça, c'est aussi cool. Le principe, vraiment intéressant. Et puis sur l'aspect, moi ce que j'aime tout simplement sur ce Dream Team, c'est l'aspect un peu RPG, c'est que tu puisses monter tes joueurs en niveau un peu comme tu veux, avec le coach qui va te donner des bonus pour monter certains joueurs en niveau plutôt que d'autres, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, hein, ici de pouvoir l'adapter à ton style de jeu, également les stats que tu as envie de changer. Donc ça, c'est tip top. Faudra voir comment ça s'articule avec les entraînements nouveaux qu'on aura, le niveau qu'on aura, comment. Eh bien, cette progression, j'espère qu'elle sera lente et pas trop rapide. C'est là où je vais arriver sur un petit défaut de Dream Team, c'est le nombre de bonus débutants qui ont été donnés, que je trouve un peu trop élevé. Le bonus vétéran, pardon, pas de bonus débutant. Voilà, 6, 7 légendes, 3 millions de GP et tout, c'est un peu abusé. Bien sûr, il faudrait compenser la fidélité, je pense que c'est le cas de la plupart de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. C'est bien normal que Konami compense votre fidélité. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'ils ont appuyé un peu trop fort, parce qu'en fait, t'as déjà des teams d'Avengers qui sont déjà absolument énormes. C'est un peu dommage d'en être déjà là au niveau tout au début du jeu. Maintenant, on connaît la profondeur qu'avait MyClub en termes de gestion de ton effectif par rapport à ta vidéo, etc. J'espère que ce sera le cas et que ce sera amélioré, parce que MyClub, qui était très répétitif, il a tout simplement donner cet aspect qu'il fallait continuer à farmer pendant des semaines, des mois et des mois pour avoir un club avec les joueurs compétitifs de tout type de club, de type de nationalité, pourquoi pas maintenant ici, ou d'âge, etc. J'espère que ça viendra. Et là, comme ça, d'entrée, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir donné autant de gros joueurs sur les bonus. Ce que j'aurais à regretter aujourd'hui. Et puis bien sûr, le truc moi qui m'a fait halluciner quand le jeu est sorti, c'est qu'il y avait zéro événement. Le jeu il est sorti, t'avais rien à faire à part des matchs dans le vide.
là dans le team qui est seulement allé ici sur la match par tournoi, qu'il n'y ait pas d'événement de tournoi, de saison, etc. à la lancer, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est pas pouvoir farmer à minima de la suspect. Là, c'est le cas maintenant avec les événements et dès demain, du coup, hein, on est le 20 aujourd'hui, dès demain le 21. Tout simplement ces événements, et notamment l'arrivée du mode saison, du coup qui va être sympa et qui va mettre du piquant un peu à tout. Donc voilà, ça ce que j'aime. Ce que j'aime pas aussi, c'est les 120 secondes de pause, j'en parlais, mais c'est incroyable avant les matchs. Maintenant, il faudra voir tout ça, comment ça s'articule avec les points eFootball, d'ailleurs qui expirent au bout de 6 mois, donc quand on aura les miens, ils sont tous partis. Voilà, donc là, il faudra voir tout simplement comment ça avance. Mais l'aspect contrat, style de jeu, que sur ton plan de jeu, tu puisses bouger un peu les joueurs comme tu veux, ça c'est très bien. Il manque quand même là un vrai aspect tactique avec les instructions, etc. Je trouve ça en match encore très compliqué. Mais voilà, c'est prometteur sur cet aspect Dream Team, sur la gestion d'effectifs. J'ai hâte de voir comment ça sera aussi avec les contrats. Là, on a une période de contrat de 363 jours, 358, c'est-à-dire 365 quand tu les achètes, les joueurs. Voilà, les boosts, bah, du coup, ça risquera d'être limité et tout. Donc ça peut être cool. J'espère que ça nous poussera à être vraiment créatif et que Konami, tout simplement, nous donnera de quoi faire.